Robert, bonsoir. Roberto. Hey man, wow. Voilà, si nous tous nous étions les magistrats, c'est que personne ne peut laisser ce pays ici là pour aller dehors. Je suis sorti parce que je n'ai même pas 100 000 par mois. Voilà. Je suis sorti parce que je n'ai même pas 100 000 par mois. Voilà. Donc, je suis sorti de mon pays parce que je n'avais même pas 100 000 par mois. Si j'avais 100 000 par mois, à mon époque, je ne sortirais jamais. Voilà, c'est là où tu comprends que la richesse n'est pas les milliards ou les millions. La richesse est un état d'esprit. Voilà. Le plus meilleur moment de ma vie, c'est quand je me souviens, quand je vendais mes 200 de cacao, j'étais tranquille. Jusqu'au jour où j'ai commencé à goûter ce qui est bien. Voilà, je me force pour maintenir, pour être au même niveau, mais je me rends compte que je suis sous pression. J'ai la pression chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, j'ai la pression. Je regarde mon compte bancaire. Ça diminue chaque jour. Je me bats, je remonte les choses. Mais ça diminue toujours. Alors qu'à l'époque, je n'en avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Donc, est-ce que la richesse, c'est l'argent ou bien c'est un état d'esprit? Je me pose des questions. Est-ce que gagner sa vie, c'est avoir de l'argent ou bien c'est son environnement? Donc, je me pose trop de questions, mes frères. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons trop souffert. Et certains de nous continuent à souffrir. Parce que quand tu es complexé, c'est une maladie. Il n'y a rien. Il n'y a pas une maladie qui dépasse le complexe. Voilà. Il n'y a pas une maladie qui dépasse le complexe. Beaucoup de gens souffrent encore aujourd'hui parce qu'ils sont complexés. Je me demande comment quelqu'un qui a passé son temps à vivre dans les pays où on n'achète pas les relations, on n'achète pas l'amitié. On devient des amis peut-être par rapport à quelque chose. On ne refuse pas de ne pas avoir des amitiés. On entretient l'amitié, oui, c'est bien beau. Mais on n'achète pas les amis. Il y a certains gars qui rentrent au Cameroun parce qu'ils ont les amis magistrats, ils ont les amis commissaires, ils abandonnent les femmes, ils abandonnent les enfants pour rester rien qu'avec l'ami qui est commissaire. Chaque jour avec l'ami commissaire, chaque jour avec l'ami procureur. Il ne peut rien faire pour toi, mon frère. Tu crois que le jour que tu as un problème, il va faire quelque chose pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Nul n'est au-dessus de la loi. Arrêtez de vous faire berner chaque jour. Voilà. Garde ton argent. Le jour où tu as un problème, tu cherches un avocat. C'est clair. Voilà. Garde ton argent. Le jour où tu as un problème, tu cherches un avocat. Arrêtez de vous faire berner. Parce que les gens sont tous là dedans. Dit que mon ami procureur, mon ami ceci, cela. Non. Arrêtez ça, mon frère. Arrête ça. Dans ta famille, il y a les licenciés. Dans ta famille, il y a ton neveu qui est brave. Là, il fait première. Envoie-le à l'école. Il a son bac, tu l'envoies faire le droit. Mais oui, tu l'envoies faire le droit. Si ça ne va pas, tu le tires vers toi. Tu l'envoies dans une bonne école. Peut-être en France, aux États-Unis, à Londres. Ils sont avocats. Ils sont avocats. Et étant avocat, il va amener ses amis magistrats. Et ses amis magistrats seront tes enfants. Parce que c'est ton fils. Parce que c'est ton neveu. Les gens sont complexés. Nous, on a tout peur de commencer. On a peur de commencer. Il y a des gens qui travaillent, mais ils mettent le malheur dans leur famille. Ouais, tu mets le malheur dans ta vie, pourquoi? Tu as risqué ta vie, tu as bossé, tu as traversé le désert. Tu as traversé la mer. Tu pars dehors, tu fais 10 ans. Tu te permets de rentrer au Cameroun, aller dans le bureau d'un magistrat, dans le bureau d'un commissaire, donner 500 000. Comment? Comment tu peux donner 500 000 à un magistrat? Tu ne le connais pas parce que tu dis que tu vas acheter les relations. Quelle relation?
L'être humain doit être au-dessus des relations. Voilà. Laisse qu'une relation soit ton ami de classe. Laisse qu'une relation soit un ami que tu as voyagé avec lui. Après, il savait qu'il est magistrat. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Ce n'est pas le complexe. Mais quand tu saches dans ta vie, quand tu fais des choses bien pour ta communauté, les relations viennent seules. Les relations ne s'achètent pas. Détrompez-vous, les relations ne s'achètent pas. La relation que tu as achetée, le jour que tu n'as pas l'argent, il ne sera plus ton ami. Oui, une relation que tu achètes, c'est comme une femme que tu achètes avec ton argent. Le jour que tu n'as plus l'argent, cette relation te quitte, cette relation t'abandonne. Et les gars de la diaspora jusqu'ici continuent à souffrir. Même les femmes. Vous allez voir une fille, elle rentre au Cameroun avec son argent. Elle se fait escroquer par un homme du Cameroun. Et de sur quoi? On monte encore sur elle. Et de sur quoi elle se fait encore baiser? Elle se fait escroquer son argent. Alors qu'elle est d'abord très belle. Elle est très belle. Et elle se fait encore escroquer son argent. Et elle se fait baiser. C'est qu'elle vit ça. Arrêtez ça, mon frère. Envoyons nos enfants à l'école. Ne faisons plus la combine. Les gens font des combines. En disant que non, mon neveu, s'il a si un juge. Le seul juge, c'est la conscience. Si tu as moyen, mon frère, envoie ton neveu à l'école. Il devient magistrat. Envoie ton neveu à l'école. Il devient avocat. Il devient avocat. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons d'acheter les relations. Et quand il sera avocat, il va amener les magistrats à la maison. Oui, puisque avocat, magistrat, c'est les mêmes gens. L'autre est là pour juger, l'autre est là pour défendre. C'est le même corps. Et dans d'autres cieux même, dans les vrais pays démocratiques, l'avocat est plus riche que le magistrat. Dans les vrais pays comme en France, partout en Indonésie, aux États-Unis, l'avocat est plus riche que le magistrat. Donc, s'il vous plaît, mes frères, arrêtons d'être naïfs. Beaucoup de gens sont encore naïfs, les gens de ce monde, ils sont encore très naïfs, surtout les gars de la diaspora, surtout les femmes de la diaspora. Ah oui, ils sont encore très naïfs. Tout simplement parce que tu vas avoir la relation, parce que tu vas enfermer ta cousine, parce que tu vas enfermer ta soeur, tu vas enfermer ton neveu. Mais tu vas enfermer pourquoi? Pourquoi tu vas enfermer ton neveu? Il t'a fait quoi? Est-ce que voyager, c'est de rentrer combattre sa famille? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand je voyage, là, c'est venir me venger. Non. Quand tu voyages, c'est pour venir montrer comment le style de vie que tu as vu dehors et intégrer ça dans ta famille. Bah oui. Apporte ce qui est bien dans ta famille et rejette ce qui est mauvais. Mais certains gens rentrent au Cameroun, ils se mettent à acheter les relations. Tu vas voir un gars rentrer au Cameroun, il part donner 3 millions à un magistrat. Alors que 3 millions à un magistrat, ça peut t'acheter un terrain. 500 000 que tu donnes au commissaire, 500 000 que tu donnes au policier partout là. Tu peux cotiser ça, tu achètes un terrain. Ah oui? Celui-ci me veut quoi, mon frère? Donc, mes frères et soeurs, arrêtons d'être complexés. Beaucoup de nous sommes encore très complexés. Et sortons de là. C'est pas parce que certains de nous, en sortant du Cameroun, on n'avait pas une vie, on n'avait pas un statut, mais on était heureux quand même. Malgré que tu étais pauvre à l'époque, mais tu te souviens que les bons moments de ta vie, c'est dans ta pauvreté. Les plus meilleures choses que tu as fait dans ta vie, c'est dans ta pauvreté. On dit souvent les meilleures décisions de la vie, on les prend quand on n'avait rien, quand on n'avait même pas les moyens. Moi, je me suis marié quand je n'avais pas 5 francs. Je me suis marié quand je n'avais pas 5 francs. Mais oui, et je ne crois pas que si aujourd'hui je n'avais pas encore épousé ma femme, je pourrais avoir le courage pour aller épouser cette pauvre femme-là. Parce que je vais me prendre la tête. Oui. Donc faisons beaucoup attention, mes frères. Il faut arrêter ça. Voilà. Quand tu arrives au Cameroun, arrête de te faire remarquer. Arrête de te faire remarquer. Voilà. Quand tu arrives au Cameroun, le secret du Cameroun, arrête de te faire remarquer. Même si tu pars quelque part, garde ta voiture loin. Ne te fais pas remarquer. Voilà. Garde ta voiture loin. Ne te fais pas remarquer. Tu résous tes problèmes tranquillement. Parce qu'au Cameroun, vous allez aller dans une clinique. Tu veux toujours mettre l'argent. L'argent, pour qu'on te reçoive le premier.
Alors que là où tu étais, le pays où tu étais là, n'est pas on te recevait sur rendez-vous. Le pays où tu sors là, n'est pas on recevait par ordre d'arrivée. Mais pourquoi aujourd'hui tu arrives au Cameroun, tu veux intégrer la corruption? C'est ce qu'on doit bannir. Si on veut qu'un pays change, nous aussi, quand nous venons au Cameroun, nous devons apprendre à changer. Ah si. Nous devons apprendre à changer, mes frères et sœurs. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de nous là, nous on dénonce le système camerounais, le système de M. Biya, mais certains de nous, le germe de la corruption vit dans nous. Vous allez voir un gars, il rentre au Cameroun, partout, il part, il sort tout que là. C'est de la corruption. C'est de la corruption, mes frères. Donc arrêtez de corrompre les gens. Et quand vous comportez pareillement, le jour que votre collègue de la diaspora arrive, lui aussi, on lui traite mal, alors que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. C'est certains gars de la diaspora qui ont fait aujourd'hui, les maisons sont chères au Cameroun. À l'époque, au Cameroun, avec tes 15 millions, tu avais ta maison. Mais aujourd'hui, avec même 25 millions, tu n'as plus une maison au Cameroun. Pourquoi? Parce que certains sont rentrés, commencent à acheter les maisons à 40 millions. On dit la maison, c'est 30 millions. Au lieu d'attendre, ils donnent 35 millions aux démarcheurs. C'est comme ça que les démarcheurs sont partis mettre les prix exorbitants à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi maintenant, à Bonamou, ça dit, à Yaoundé, partout, là, à Koto, partout, les maisons sont chères. À cause de qui? À cause de la diaspora. Voilà. Quand tu arrives dehors, on sent que tu es un Bengis, ou bien quelqu'un qui sort de dehors. Subitement, on met tout que l'argent devant. Attends. Subitement, on met tout que l'argent devant. Alors que ce n'est pas ce qu'on nous a inculqué dehors. Moi, je pense que la diaspora, moi, je suis parti dehors, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. J'ai épargné l'argent dans ma vie. L'argent n'est plus un modèle dans ma vie. L'argent, c'est pour se servir. L'argent, pour moi, c'est pour payer mes charges, résoudre mes problèmes, poser des actes qui vont bénéficier l'humanité. Voilà pour moi l'argent. Si j'ai mon gardien chez moi, il doit payer tous les mois. Je dois payer mes ouvriers. C'est ça, pour moi, l'argent. Mes frères, mes soeurs, je ne les habitue pas avec l'argent. C'est clair. Ton ami n'habitue pas avec l'argent. Tes relations, ça ne s'achète pas. Tu peux aller dans une clinique. Voilà comment moi je fais pour avoir mes relations. Quand je vais dans une clinique ou bien dans un hôpital, si peut-être c'est un chirurgien, je regarde son matériel de chirurgie. Si je vois qu'il a les petits. Je lui pose les questions. Je me rends compte que s'il a des petites difficultés, mon prochain voyage, en temps, je lui garde une caisse d'outils de chirurgie. Voilà comment moi je vis. Voilà comment moi je fais pour avoir mes relations. Et on se pose les questions. Oh, le grand, c'est, mais comment il fait pour avoir les relations? Voilà comment il fait pour avoir. Je n'achète pas les relations. Voilà. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie que quand tu gardes l'outil de travail à quelqu'un qui fait son métier. Il te sera reconnaissant toute ta vie. Mais quand tu donnes l'argent à quelqu'un, mais tu l'as acheté, tu l'achètes. Le jour que tu n'as pas l'argent, tu oublies. Mais oui. Mais oui. J'ai des amis magistrats. J'ai des amis magistrats. Comment je fais pour les avoir? Quand je vois ta taille, il dit, donne-moi ta taille, vraiment, je suis dehors, là, j'ai envie de. Il veut voir, je le couds une belle torche à l'extérieur, j'achète une belle torche pour lui, une torche noire là, je fais en allant ça bien, je lui garde une chaussure terminée. Voilà comment il fait. C'est comme ça. Arrête d'habituer les gens avec l'argent. Voilà. L'amitié s'entretient, mais pas en donnant toujours l'argent, non. C'est pourquoi vous allez voir certains gens, ils n'ont rien, mais vous ne pouvez pas le condamner. Vous allez voir un pousseur, vous ne pouvez pas condamner. Vous ne pouvez pas faire un arrêt de ce pousseur-là. Pourquoi? Parce qu'il est serviable à la femme du commissaire. C'est parce qu'il est serviable à la femme du magistrat. Il pousse la femme du magistrat, il pousse le macabre. Il est porteur. Tu ne peux pas bouger son pied. Mais oui. Si c'est un policier, si c'est un commissaire, mais tu es à l'extérieur en rentrant, garde-lui une belle paire de Rangers. Il ne doit jamais t'oublier. Quand il va porter la Rangers, il va te voir, il va te remarquer. Donc mes frères et sœurs aujourd'hui, si on dit qu'on veut changer la diaspora, posons des actes qui sont concrets. C'est clair, posons des actes concrets. Arrêtons de venir acheter toutes les relations. Non, quand on fait comme ça, vous gâtez la voix des autres, la voix de ceux qui n'ont pas l'argent. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer les relations. Puisque dans la tête des gens, on pense toujours que non. Ah, quand un gars a voyagé, c'est l'argent. Et c'est le même problème qu'on a même dans les familles. Puisque certains ont tellement traumatisé les familles avec l'argent, comme je disais hier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, certains gens n'ont même plus la parole à parler parce que quoi, ils n'ont plus l'argent. Et quand toi-même, tu passes ton temps à donner l'argent à quelqu'un chaque jour, ça te traumatise. Le jour que tu n'as pas l'argent, toi-même, ton inspiration finit. Parce que c'est ton argent qui parlait. Toi-même, tu sens en toi que moi, j'achetais que l'amour des gens. Mais oui, tu achetais l'amour des gens. Donc arrêtons d'acheter l'amour des gens. Non. Donc mes frères et sœurs, arrêtons d'acheter l'amour des gens. Arrêtons d'acheter les relations. Nous avons les neveux dans notre famille. Nous avons des cousins. Si tu sens que la famille est pauvre et que tes petits frères sont petits, on dit souvent dans la vie, la famille n'est pas un problème de sang. Ou bien parce que c'est quelqu'un qui vient des entrailles de ta mère. Non. Tu peux aider le cousin de ta famille. Même si demain n'est pas conscient, tant mieux. Envoie-le à l'école. Envoie ton cousin à l'école. Oui. Envoie ton cousin à l'école. Parce que nous sommes champions, on laisse nos cousins, on laisse nos familles. On dit que non, vous allez voir, certains gens vont dire, ah vraiment, ma mère n'a pas accouché beaucoup. Mais ta soeur a les enfants, non? Envoie tes soeurs à l'école. Que de partir donner l'argent au DJ dans la nuit, dans les boîtes de nuit, pour qu'on appelle ton nom. Le jour que tu n'as plus l'argent, le DJ là s'en fout de toi, il n'est plus ton ami. C'est ça qui est la vérité. Les hommes ont monté, il y a les gars qui ne partent plus en boîte parce qu'ils n'ont plus l'argent pour faroter. Ils n'ont plus l'argent. Et le DJ là t'oublie. Il t'oublie. Et c'est le bordel. Il t'oublie, va ailleurs, il avance. Il appelle le nom des autres gens. C'est pourquoi les gens posent la question, mais pourquoi le gars, là, il est toujours normal, il est tout stable, tout et tout. Mais je suis tout stable parce que j'ai mon style de vie. Parce que la vie m'a brûlé. Je comprends ça sur moi. Tu vas voir un gars, il a les enfants, il a l'argent, il vient, il dort que dehors. Demain, ta femme sera bordel. Tu vas dire que ta femme est bordel. Mais c'est toi qui l'as envoyé dehors. Parce que tu es complexé de l'amitié, du magistrat. Tu es complexé de marcher avec un colonel. Mais toi aussi, tu peux rendre un enfant colonel dans ta famille. Tu peux rendre ton neveu colonel. Tu peux rendre ton neveu colonel. Nous tous, on connaît le Cameroun. Envoie ton enfant à l'école. Envoie ton neveu à l'école. Envoie ton cousin à l'école. Envoie ton petit frère à l'école. Lui aussi, demain, il va devenir sous-lieutenant. Il sera capitaine. Il sera commandant. Il va devenir aussi colonel. Tu auras aussi un colonel dans ta famille. L'ami que tu achètes, colonel, là, tout ça, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton frère. C'est un camarade pour toi. Le jour où tu n'as pas l'argent, il t'oublie. Oui. Et sur quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, regardez-moi. Il dit à sa femme que tu es un complexé. Tu es complexé de lui. C'est ce que les magistrats disent. C'est ce que les commissaires disent. Que voilà un gars, voilà une fille, elle sort de la diaspora. Elle est complexée de moi parce que, alors que tu es une belle fille, tu sors du dehors. Alors que tu sors du dehors. Mais tu te vois, il y a les filles qui entrent au Cameroun, qui patatent tout l'argent parce que, au magistrat. Et elle se fait baiser encore. Les filles de la diaspora. Une fille que si elle se comportait bien, elle peut me faire divorcer le magistrat là. Parce que eux là, il n'y a pas plus mou que les gars du Cameroun. Il n'y a pas plus mou que les hommes du Cameroun. C'est les gars qui sont complexés de la diaspora jusqu'à... Mais vous allez voir, cette fille porte l'argent. Tous les congés viennent au Cameroun manger avec un magistrat, manger avec un commissaire. C'est pas normal. Et c'est comme ça que vous gâtez la voix des autres. C'est comme ça qu'après vous là, on traite les autres filles de la diaspora de minables. De minables. Alors que vous êtes les filles de valeur. Il n'y a pas une fille de la diaspora qui est cancre. Toutes les filles de la diaspora, c'est des femmes capables. C'est des femmes qui savent se battre. Mais oui, même le conteneur là, il faut avoir le cœur de faire le conteneur. Mais oui, il faut avoir le cœur de faire le conteneur. C'est un évêque qui m'avait dit à Malte que... C'est un évêque qui avait dit à mon ami à Malte que... Mais quand les temps sont durs comme ça là, mais il faut faire aussi ce que les autres font pour s'en sortir. Ça, c'est un évêque. Hein. À Malte, à De La Valette. Un évêque a dit à un ami, quand les temps sont durs, fais ce que tes frères font aussi pour t'en sortir. Donc, imaginez la suite. Donc, c'est pour dire quoi dans la vie? Je respecte les femmes du conteneur, je respecte toutes les femmes. Toute personne qui se bat, qui sort dehors et qui revient normal, hein, qui s'en sort, qui a ses papiers. Qu'a fait à cette personne-là? Mais arrêtez de venir vous vendre moins cher chez vous au Cameroun. Parce que quoi? Vous êtes le terminus. Quand un homme a sorti de son pays jusqu'à aller dehors, il rentre avec ses papiers. Et de sur quoi souvent? Il rentre avec ses deux enfants. Elle rentre avec ses deux enfants. C'est ce genre d'enfant-là qu'on respecte dans la famille. Parce qu'il y a des gens-là que tu dis que laisse Bafoussam, viens seulement ici à Douala pour deux jours. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Mais toi, tu as laissé ton pays. Tu as traversé les villes et les villes. Tu es passé par l'aéroport. Tu as traversé les villes et les villes. Tu es passé par le désert. Tu as traversé la mer. Mais tu pars, tu as fermé ces 10 ans dehors. Mais tu rentres au Cameroun. Tu viens payer les hommes. Des hommes que tu ne connaissais même pas dans ta vie. Parce qu'ils ont le statut de magistrat.
Je parle parce que je connais. J'ai beaucoup d'amis là qui rentrent au Cameroun. Et je suis à mon copain, ça c'est un magistrat, non? Mais c'est le nom là qui te plaît. Toi, tu es un Benguis. Toi, tu sens bon. Tu mets les bons parfums sur toi, les Tom Ford, les Gucci, les Dolce Gabbana. Comment tu es complexé parce que quelqu'un est comme ça là? Le magistrat ne meurt pas. Le magistrat ne meurt pas. Le commissaire ne meurt pas. C'est lui qui a besoin de toi. S'il est gravement malade là, c'est toi qui vas l'aider. Si on ne refuse pas de ne pas sortir avec eux, mais s'ils t'aiment en vrai. Mais il y a certains de nos consoeurs qui viennent au Cameroun, on les traite comme les veaux, les bons à rien, les bons à rien. Et de ce qu'on mange encore leur argent. Et elles passent le temps à payer les relations. Mais frère, il faut changer. Mais soeur, il faut changer, s'il vous plaît. Allumez là, allumez dehors. Allumez. On demande au gardien d'allumer. Non oui, tu n'es pas venu au Cameroun, tu as ton âge, une belle fille. Chaque fille de la diaspora, c'est une marque déposée pour la diaspora. Quand tu viens au Cameroun, tu dois te faire respecter. Parce que tu es l'enfant qui est parti dehors te chercher. Tu dois te faire respecter. Quand tu es de la diaspora, tu rentres au Cameroun, tu te vends moins cher. Tu ne te ridiculises pas toi seul, mais tu ridiculises les autres filles qui sont aussi de la diaspora comme toi. Même toi-même, l'homme, tu ne peux pas aller souffrir dehors pendant 5 ans. Je crois que les gars, ils sont partis dehors, ils ont fait 10 ans, 15 ans. Vous n'allumez pas là dehors? Allumez dehors. Allume là dehors. Allume le poteau là. Tu ne peux pas partir dehors, tu peux faire 10 ans. Tu peux partir dehors, tu peux faire 10 ans, mais c'est 12 ans, mais certains gens font là-bas 5 ans. Tu rentres au Cameroun, tu peux commencer à payer les relations. Les relations là te donnent quoi? Mais le jour que tu n'as plus l'argent, tu n'as plus d'amitié. C'est pas bien. Même ton ami du quartier qui était avec qui tu as grandi là, il pouvait aussi. Tu peux aussi l'envoyer à l'école. Mais oui. Ton ami du quartier, tu peux aussi payer son école. Lui aussi devient magistrat, il devient avocat. Je connais les gens qui sont sortis trop jeunes. Mais oui, je connais les gens. Tu rentres au Cameroun, tu as un ami qui a une licence, une maîtrise en droit. Mais envoie le Nigeria là-bas, il peut apprendre, mais c'est le common law, tout ça. Au Nigeria, il y a l'école d'avocat. Au Nigeria, il y a l'école d'avocat. Je crois que ça coûte dans les 5 millions. Dans les 5 000 dollars. Voilà, tu as ton ami qui a un master, il est chômeur au Cameroun. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas le concours des avocats au Cameroun. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies au Nigeria continuer les études. Et tu le payes l'école d'avocat. Parce qu'il y a l'école d'avocat au Nigeria. Même au Rwanda, il y a l'école d'avocat. Tu payes la caution. Il peut y faire un an, 8 mois. Il sort avocat. C'est comme ça. Et maintenant, après 2 ans là-bas, il va rentrer au Cameroun. On va dans l'intégrer au barreau du Cameroun. Et maintenant, tu auras un ami avocat. Arrêtons d'être complexés. On néglige nos amis. On va tout payer les relations, tout et tout. Les relations demain qui vont nous abandonner même. Le jour où tu n'as pas l'argent, ton ami t'abandonne. Ton ami que tu as acheté l'amitié, t'abandonne. Oui. Donc, c'est comme je disais tantôt. Donc, pour avoir une relation, c'est très simple. Va à l'hôpital. Tu vois un gars qui a un problème, un médecin. Si c'est un chirurgien, tu regardes son outil de travail. Le jour où tu rentres, tu lui montres, tu lui gardes l'outil de travail qui pratique. Si c'est un chirurgien, tu lui gardes l'outil de travail professionnel. Tu lui gardes ce qui est professionnel. Oui. Si c'est un dentiste, tu pars. Vous savez, là dehors, là, il y a les maisons, il y a les complexes, rien que de médecine. Il y a le secteur d'ophtalmologue, il y a le secteur de chirurgien, de pédiatrie. Tu achètes le matériel. Si tu veux avoir l'amitié, un médecin, un docteur, mais tu ne peux pas te faire consulter, c'est simple. Le jour où tu rentres, tu lui gardes un bon paquet de l'outil de travail. Il va devenir ton vrai ami. Parce qu'il ne peut jamais oublier ça. Il va comprendre que voilà un ami qui pense à mon travail. Et ne pense pas seulement à me gâter. Parce que quand on habitue quelqu'un avec l'argent, on gâte cette personne-là. Mais oui. Jusqu'au jour, mon premier fils, il est là, il a 14 ans. Il part avec 1000 francs par semaine à l'école. Parce qu'il mange à la maison, il n'est pas habitué à l'argent. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne le dépense pas souvent.
Il y a souvent, je fais semblant de lui donner un petit travail à la maison. Oui. Et puis ça, tac, je le dépanne. Je profite d'une occasion pour dépanner mon fils. Pas que je l'apprends à connaître l'argent. Il grandit comme ça. Voilà. Tu habitues, on dit l'habitude, c'est une seconde nature. Si tu habitues les gens à la facilité, c'est les démons que tu fabriques contre toi-même. Ce sont tes futurs adversaires. Oui, mes frères. Donc, changeons. Je vois des mentalités au Cameroun. Donc, maintenant, si là, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes influents dans nos familles. Je sais que beaucoup, d'abord, même les connexions là, même la connexion internet là, beaucoup qui sont connectés, c'est les gars de la diaspora et les filles de la diaspora. Les gens du Cameroun n'ont pas la connexion. Hein. Bah, c'est pas facile ici. Hein. C'est pas facile ici là. Oui. Moi là, je suis entré chez moi, le wifi a pris. Je mets 10 000, ça ne termine pas une semaine, c'est fini. Tu mets 10 000, tu dis que 1 giga par jour. Tu dis que c'est pour un mois. Mais ça n'atteint même pas une semaine quand tu fais les lives constamment. Oui. Donc, c'est pour dire quoi, les gars? Nous avons une influence dans nos familles. Et nous pouvons mettre cette influence en exergue dans nos familles. Pour sortir nos familles. C'est un combat à longue haleine. Pour délivrer ce pays. Chacun doit jouer dans sa famille. Chacun en rentrant doit garder le téléphone à un membre de sa famille. Si en 10 voyages, tu rentres, tu gardes 10 téléphones à 10 membres de ta famille, c'est beaucoup. Et tu les connectes tous les mois. C'est parce qu'ici, il y a un problème ici au Cameroun. Il n'y a pas le genre de crédit internet qu'on achète, qu'on envoie là. S'il y avait ça, comme là, j'ai amené 25 téléphones. J'ai partagé en Banga. Oui. Tu vas les connecter un mois. Oui, après, ça va finir. Ils ne doivent plus se connecter. Donc, c'est pour dire que mes frères. Oui, la connexion est moins chère dehors, non, Amérique. La connexion est moins chère dehors. Mais ici au Cameroun, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc arrêtons. Donc nous devons devoir sensibiliser nos propres familles. S'il vous plaît. Sensibilisons nos propres familles. Parce que c'est très important. C'est un combat à longue haleine. Si on veut que le Cameroun change. Si on veut que le Cameroun change. Non, laisse. Pour le moment, là, je viens d'arriver, je me repose. Il faut laisser Maggie Abès. Mais Maggie Abès, toi-même, il faut faire les lives. Il faut apporter ta part de contribution. Nous sommes dans les acteurs, on a été torturés, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais le sujet, c'est que pour changer ce pays, il faudra que chacun commande dans sa famille. Chaque personne est leader dans sa famille. Voilà un grand frère qui est en train de me regarder là, lui là, il a ma grande soeur c'est son ami, ma grande soeur c'est sa génération. Ma grande soeur, elle porte l'habit de RDPC. Quand tu poses la question, elle est naïve, elle considère ça comme un habit. Mais alors que spirituellement, c'est en train d'endormir sa vie. Elle porte l'habit de son bourreau. Oui, elle porte l'habit de son bourreau. Quelqu'un qui l'a refusé le travail. Quelqu'un qui a refusé le travail à son petit ami. Donc, c'est un peu ça notre pays. Donc, c'est un travail de longue haleine, sensibiliser les gens. Et il ne faut pas les gronder. On ne gronde pas les gens du Cameroun. Ils veulent comme les Papouas. Voilà. Les gens du Cameroun sont comme les Indonésiens. On ne les gronde pas. Tu grondes un Camerounais. Il prend des prétextes comme si tu leur manquais le respect. Et il ne fait plus. Même s'il connaît que c'est la vérité, il ne change pas. On ne gronde pas les Camerounais, mon frère. On ne gronde pas les Camerounais. Les Camerounais vivent comme les Indonésiens. Tu grondes un Camerounais, même si tu as raison. Il va que faire le contraire maintenant. Il connaît. Parce que quoi, c'est comme ça. Il s'en fout. Ce n'est pas la pauvreté. Voilà, pauvreté dans l'esprit. Voilà. Voilà. La pauvreté dans l'esprit, les gens ne sont pas pauvres au Cameroun. Certains gens sont même bien, sont même un peu nantis. Mais le problème, c'est que c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Le Cameroun a honte. Le Cameroun a honte. Voilà, le Cameroun a honte. Et puis, il veut la dignité même dans rien. Voilà, c'est ça le Cameroun. Le Cameroun a honte. Et il veut se faire voir dans rien. Et quand tu grondes un Cameroun, c'est comme si tu l'as insulté. Voilà, tu l'as insulté. Voilà. Et puis là, même si tu as raison, tu mens. Il veut montrer que non, tu mens, tu n'avais que tort. Donc j'ai compris qu'à partir d'aujourd'hui, on ne grondait plus les gens. Ne grondez pas les gens au Cameroun. Parlez-les doucement. J'ai dit à ma soeur que bon, voilà, tu prends l'habit de RDPC. Moi, voici dans les réseaux sociaux, tu connais ma position. Voilà, tu connais ma position. On connaît que celui-là, c'est un opposant. Mais toi, tu es ma grande soeur. Comment tu peux porter l'habit du RDPC sur toi? N'est pas la rentrée, c'est moi, je me bats pour t'envoyer la pension. Est-ce que lui, il est là? Parce que quoi, c'est un habit qu'on t'a donné
Et quand il y avait, c'était le 20 mai, on t'a payé, c'est 5 000. Et je me suis fâché contre l'habit là. Voilà, et tu n'es pas parti. Ma soeur n'était pas partie au défilé là. Elle me dit qu'on l'a payé, c'est 5 000. Maintenant, tu continues encore à porter l'habit du RDPC. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut comprendre. Vous savez, être à distance, moi, je viens au Cameroun chaque temps. Voilà, c'est pas là qu'on doit changer le Camerounais, non. Voilà. Ce n'est pas là qu'on va changer les Camerounais. On va changer les Camerounais au fur et à mesure. Voilà. Je prends un exemple. Si vous prenez un Camerounais, vous allez voir beaucoup de gars qui ont résisté dehors à la diaspora. C'est les gars qui n'avaient rien au Cameroun. Moi, en quittant le Cameroun, je vous dis, je n'avais rien. Moi, je n'avais rien. Mais si vous prenez un gars dans le Mungo qui gagnait ses 100 000 par mois, hein, qui jonglait son cacao ou bien son café là, il jonglait. Il s'en sortait, il pouvait boire ses 3 bières chaque jour. Vous l'amenez en Europe, ne soyez pas surpris que s'il a son billet retour, il rentre un jour sans vous dire au revoir. Hein. Ah oui, il rentre sans vous dire au revoir. Parce que tu penses que tu veux lui mettre dans la belle vie, mais lui, il pense que tu es en train de vouloir embrouiller sa vie. Je parle d'un cas que j'ai eu récemment. Donc, ça avait le temps qu'il faut changer les gens. J'ai emmené quelqu'un dehors. Cette personne-là, tous les mois, il avait 1500 euros. Voilà, il avait 1500 euros. Mais il a décidé qu'il rentre au Cameroun. Donc si ce n'était pas que j'avais une influence sur lui, j'ai même un moment voulu utiliser la violence. Mais il voulait que rentrer. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il jongle. Il a son petit vélo, il jongle tout et tout. Il est là, il est rentré. Hein? Je vous dis qu'il est rentré. Voilà. Donc il est rentré. Donc la vie n'est pas ce que vous croyez là. Donc, on n'est pas tous nés de même. Donc, l'histoire du Cameroun, c'est une histoire qui est seule au monde. Donc, l'histoire du Cameroun, Richard Bonnat. Richard Bonnat a dit que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends ce qu'on ne t'a pas bien expliqué, et c'est la vérité, le Cameroun, c'est un cas à part. Le comportement camerounais, tu grondes un Camerounais, même s'il a tort, tu l'as manqué le respect, tu l'as insulté. Même ta propre mère, tu l'envoies ton argent. 10 millions, 20 millions. Elle prend les 10 millions là, elle prend ton argent, elle n'est pas dotée, tous tes frères avec. Elle prend ton argent, elle n'est pas dotée, elle finance la dot de son beau-fils pour venir doter ta soeur avec. Elle prend ton argent, elle construit la maison de toi. Elle construit une maison, elle met ton frère dedans. Mais le jour que tu viens réclamer, si tu réclames en grondant, tu auras tort, elle va se fâcher contre toi. C'est ça l'histoire du Cameroun. Donc, le cas Cameroun là, le mot là me fait peur. Le nom Cameroun me fait peur déjà. On va vous dire, hein? Depuis un moment là, moi, je vois le Cameroun seulement autrement là. Oui, je vois le Cameroun. Vous allez voir que pendant que vous avez déjà votre belle petite position, vous avez déjà une position un peu mieux par rapport aux autres. Tu vous inquiétez pour les autres qui sont dans la rue, qui n'ont rien. Mais eux là, ils ne s'inquiètent pas. Il ne s'inquiète pas. Attendez, mais dans la vie, est-ce que c'est le leader qui est de... Mais le leader est celui qui se place devant. Maintenant, les autres doivent suivre. Mais vous allez voir dans un pays comme le Cameroun, toi le leader, tu as déjà tout. Tu as ce qu'on appelle le bien-être. Tu as une assurance. Tu te places devant. Mais celui qui est derrière ton Tinda, lui t'abandonne, il rentre derrière. Hein? Il rentre derrière, il t'abandonne, vieux. Ah oui. Et donc, c'est un problème de longue haleine. L'histoire du Cameroun n'est pas un problème qu'on doit résoudre maintenant, si là. Non, non, non. Comme j'ai dit là, ce n'est pas une histoire qu'on va résoudre maintenant, si là. Les comportements sont trop différents. Et je me rends compte qu'il y a certains gens de la diaspora qui rentrent. Vous allez voir un gars, il est à Paris, il est à Londres, il est à Washington, il est à Jakarta. Il se comporte bien comme un Bengis. Mais quand il arrive au Cameroun, c'est comme si à l'atterrissage là, il redevient comme les gens qui ont fait ses 10 ans sur place. Lui-même, il commence à faire de la corruption. Oui, il commence à faire la corruption lui-même. Lui-même, il arrive quelque part, on ne lui demande rien, c'est lui qui veut donner l'argent. Tu arrives dans un bureau, tu vas voir d'abord son premier geste de corruption qu'il veut faire, c'est quand il va acheter sa puce Orange. Il part à Orange, il a son numéro. On dit qu'il est la 57e personne. On dit qu'il est la 57e personne. Au lieu de se mettre en rang,
Il voit bien sur le tableau. On est à 50. Au lieu d'attendre 57e pour aller pour qu'on le serve tranquillement, c'est lui qui commence à sortir l'argent. Alors qu'il sort d'un bain. Mais en bain, il refuse de payer. Mais oui, il refuse de payer certaines choses qu'il a le droit de payer. Il refuse. Donc mes frères, apprenez aussi à changer. Voilà. Non, les Camerounais ne sont pas des hypocrites. C'est le système. C'est le système. C'est le système qu'on a mis sur pied pour nous rendre comme ça. Voilà. Les Camerounais, c'est le peuple le plus talentueux d'Afrique, pour moi. Hein. Le Camerounais, c'est le peuple le plus talentueux d'Afrique. Mais le problème, c'est que le système, on a laissé les gens faire. Mais on les a dit que la ligne ici ne traverse pas. Monsieur Biya était très intelligent pendant les années. Monsieur Pobeko, voilà. Il a été intelligent pendant les années. Il n'y aura plus jamais un homme qui a la chance comme Monsieur Biya. Voilà. Et il y a les problèmes parce que quoi? On appelle ça un mandat de trop. Je vous jure que si Monsieur Biya disait que je ne me présente pas, non, c'est un homme qui pourrait marcher même dans la rue. Aucun Camerounais ne lui fout à rien. Voilà. C'est pourquoi on veut la tête de Kamto à tout prix. Parce que celui-là qui a éveillé les gens. Il a éveillé. On s'en fichait, non? Voilà. Le Camerounais, c'est celui qui s'en fout. Qui nous gouverne, non? Non, le sous-préfet était comme un dieu à l'époque. Les magistrats étaient comme les dieux. C'est aujourd'hui qu'on dit à un magistrat comme Dieu va te faire foutre. C'est aujourd'hui qu'on dit à un commissaire va te faire foutre. Mais oui. Donc si Monsieur Biya était sage, il pourrait seulement n'appasse à quelqu'un d'autre. La personne vient faire comme lui, 100 ans. Les Camerounais ne pouvaient jamais comprendre le jeu là. Donc c'est un homme béni même. Il est trop chanceux. Et il n'y a plus un Camerounais, un président qui aura la chance comme ce monsieur là. D'avoir trimballé son peuple pendant les années. Je vous jure. Il n'y aura plus jamais un Camerounais, un président qui aura la chance d'avoir trimballé les Camerounais pendant toutes ces années. Oui, le mandat de trop, c'est ça qu'il a. Non. Je vous jure que s'il faisait tout, il mettait quelqu'un d'autre, non? Il ne devait jamais avoir le problème. Donc c'est ça qui est le problème dans ce pays. Donc pendant toutes ces années-là, il a travaillé la psychologie des gens. Donc tous les Camerounais étaient comme dans une moule. Donc nous étions comme dans une moule. Donc on nous a moulé. On nous a donné comment il faut vivre. Ne traverse pas ici là. Comme vous voyez là. Je prends un exemple. Moi je suis un gars de Mbanga. Je peux compter. Je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais même pour rien. Même en balade avec mes enfants. Je ne suis jamais moi parti jusqu'à la porte de la sous-préfecture. Alors que c'est un droit pour moi. Donc de la manière que M. Biya se comporte à Yaoundé. Que personne ne traverse le palais de Toudi. C'est la même manière que les sous-préfets se comportent avec les autorités, les commandants de brigade. On voit la maison du commandant comme si c'était la maison d'un zombie. Donc que personne n'a le droit de passer là-bas. La maison du sous-préfet, alors, c'était comme le royaume. Vous allez voir, les Camerounais connaissent les chefferies. La chefferie, là où il y a la sorcellerie. Le Camerounais passe là-bas. Il voit. Il pose des questions, il essaie de regarder. Mais vous allez voir en Banga, un gars passe devant la sous-préfecture sans regarder parce qu'il a peur. Il croit que s'il passe, il regarde la maison du sous-préfet, c'est comme si c'est un motif. Oui, c'est comme si c'est un motif qu'on va mettre sur son dos. Que peut-être c'est outrage à fonctionner ou bien outrage à sous-préfet. Donc c'est ça. Donc c'est un travail de longue haleine et que chaque gars, quand tu envoies 100 héros, à un moment de la vie, non, on utilise ses moyens pour faire changer les gens. On ne demande pas d'utiliser ses moyens pour piétiner les gens. Mon ami, je parle bien pour bien. Moi, tu m'as vu parler bien de Paul Bia, mon ami. Joe Joy, tu m'as vu parler bien de Paul Bia. Tu me connais même. Moi, Fundai, parle bien de Paul. Moi, je parle. Tu me connais même. Je parle bien de Paul Bia. J'ai jamais bien. Tu as pu peut-être le commenter en chemin. Je ne parle jamais bien de Paul Bia, mon frère. Je ne parle jamais rien de Paul Bia. Je n'ai jamais bien parlé. Je ne parlerai jamais bien de lui. Parce que c'est lui mon problème, c'est lui qui a laissé faire. C'est clair. C'est lui qui a laissé faire, c'est lui qui a fait à ce que jusqu'aujourd'hui, les Camerounais souffrent comme ça. Parce qu'un chef qui ferme les yeux sur les erreurs, sur les fautes de ses subalternes est complice. À un moment de la vie, on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Si tu ne blâmes pas, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu acceptes. C'est clair. C'est clair. C'est lui qui nomme, c'est lui qui défait, c'est lui qui fait. Donc, il est le coupable. C'est tout, mon frère. On t'a dit que. Tu me connais même. Moi, je suis un gars de Mbanga. On t'a dit que j'ai peur. Donc, c'est pour dire quoi, mon frère? Donc, le travail du Cameroun, c'est un travail de du labeur.
Voilà, et il faut travailler la tête des gens. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne parlais pas politique. Je ne parlais pas de politique aujourd'hui. C'est juste les exemples que moi, je prends. Voilà. C'est juste les exemples que moi, je prenais. Donc, nous devons apprendre à changer. À comprendre que non, la maison du sous-préfet là, qui alloume là, ce n'est pas la maison. C'est le sous-préfet qui habite là-bas. C'est un fonctionnaire, mais oui. Mais il appartient à l'Oum. La maison appartient à l'Oum. C'est une maison où tu peux aussi amener tes enfants visiter. C'est ça. La gendarmerie, là, c'est la gendarmerie, oui. Mais c'est la gendarmerie de la ville. Tu peux aussi amener tes enfants visiter la gendarmerie. C'est ce que moi, je fais constamment. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne déjà aux enfants de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur. C'est comme la dernière fois, j'ai fait mon anniversaire à la prison. J'ai fait mon anniversaire à la prison. J'ai amené mes enfants à la prison. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas qu'on lui pose la question un jour. Est-ce que tu as déjà été à la prison? Il va dire, mon enfant qui a 2 ans là va dire que non. Mon enfant qui a 14 ans va dire que non. J'étais un jour en prison pour l'anniversaire de mon père. Pas parce que j'étais prisonnier. Parce que j'ai décidé que je vais aller passer les fêtes avec les prisonniers. Donc il faut déjà travailler la peur. Donc ça dit quoi? Nous, on veut le changement, mais il faut qu'on inculque certaines choses déjà à nos enfants très tôt. Très tôt. Et quand j'ai fait ça, les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu as amené tes enfants faire ton anniversaire à la prison? J'ai dit, je cultive déjà, j'enlève déjà la peur à mes enfants. Voilà. J'enlève déjà la peur, parce que quoi? La seule chose aujourd'hui qui domine l'Africain, c'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir. Quand moi j'arrive à l'aéroport, on me regarde, on dit c'est toi non? Je dis oui, c'est vrai, est-ce qu'il y a un problème? On a pris mon passeport, la première fois, je suis venu au Cameroun, on m'a pris directement, on m'a amené au 7, à Yaoundé. Moi je suis parti, on dit que mais, tu as dit que comme ça, il dit que oui. Parce que moi, mon problème, je veux un Cameroun qui avance, je veux un Cameroun qui gagne. Oui, oui. Donc mes frères, nous devons inculquer certains comportements dans la tête de nos enfants. Travaillons nos enfants. Tu as 5 enfants. Et que tu ne travailles pas les 5 enfants-là. Ça veut dire quoi? Voilà toi-même 5 peureux que toi-même tu fabriques devant toi. Tu es en train de fabriquer 5 peureux dans ta maison. Mais oui. Tous mes garçons font le karaté. Tous mes garçons font le karaté. Tous mes filles font la danse. Je fabrique derrière la... C'est-à-dire que je fabrique derrière l'anti-peur en eux. Je fabrique déjà l'anti-peur en eux. L'anti-peur, c'est quoi? Apprendre à se défendre. L'anti-peur, c'est quoi? Les amener souvent dans les commissariats. Quand tu passes souvent voir le commissaire, amène tes enfants avec toi. Quand tu passes souvent, même s'il n'y a pas le commissaire, va te balader. Utilise ton statut. Parce que quoi? Le Mbengi, c'est un homme qui a l'influence sur les autres. Tu peux même avoir un ami au commissariat. Tu peux rendre visite à ton ami au commissariat. Pourquoi ton enfant voit comment le commissariat se porte? Un enfant qui passe son temps au commissariat n'aura jamais peur du commissariat. Amène tes enfants au champ. Amène tes enfants au champ. Toi, tu as grandi au champ. Apprends déjà à laisser tes enfants à leur grand-mère. Parce qu'il y a certains qui partent bien. Au lieu de montrer l'amour, ils commencent à montrer la peur. Ta mère est sorcière, mais elle ne t'a pas tué. Donc, ce sont tes enfants qu'elle va tuer. Ta mère est sorcière. Elle ne t'a pas tué quand tu étais petit. C'est aujourd'hui qu'elle va te tuer. Pourquoi va tuer tes enfants? Parce qu'il y a les gars qui rentrent au Cameroun. Ils sont incapables d'aller laisser même leur mère chez leurs parents. Parce qu'ils écoutent les ondes. Ma mère, c'est une sorcière. Mon père, c'est un sorcier. Mais si ton père était sorcier ou bien si ta mère était sorcière, c'est qu'elle devait tuer. Elle devait te tuer depuis. Tu ne devais même pas naître. On a ce qu'on appelle la folie de grandeur. Il y a ce qu'on appelle la folie de grandeur. Non, frère ami, est-ce que c'est aujourd'hui que je pars en prison? Tu me connais même pas. Ah ouais, c'est Afara, ouais, c'est Afaya, Joel. Tu veux pas aller prochainement, je veux aller en prison. Je préfère aller en prison au Cameroun que d'aller en prison dehors, mon frère. Tu me connais même pas. En prison au Cameroun, je suis mieux à l'aise que d'aller en prison dehors. Je préfère faire la prison au Cameroun. Je préfère mourir au Cameroun que de mourir dehors, mon cher ami. On t'a dit que je suis celui qui me cache. Je ne me cache pas, mon frère. Je suis Camerounais. Je paie les impôts. J'ai le droit et le devoir de me mêler à la société de mon pays. De me mêler à l'évolution de mon pays. J'ai mon point de vue en tant que Camerounais. Tu ne peux pas me l'interdire.
Ou bien tu veux faire comme les chop-chop, les cancres comme les chop-chop. Donc oui, vous avez besoin des jeunes enfants de 20 ans. Vous avez besoin des jeunes pour aller voter, pour aller vous élire. Mais vous les interdisez de regarder la société. Donc vous voyez un peu comment vous êtes même bête. Le temps est passé. La jeunesse africaine est debout. C'est clair. Et la diaspora est debout. La diaspora est debout depuis la nuit des temps. La diaspora est debout depuis la nuit des temps. Donc mes frères et sœurs, arrêtons ça. Comme j'ai dit, arrêtons n'habituons plus nos familles avec l'argent. Posons des actes qui vont les aider demain. Apprenons à pêcher le poisson. Si tu as le réseau de faire venir ton petit frère dehors, amène-le dehors. Tu peux amener ton petit frère dehors, c'est même lui qui t'aide demain. Tu peux amener ton petit frère dehors, c'est même lui qui t'aide demain. Je connais des amis qui ont amené les petits frères dehors. C'est le petit frère qui a fait à ce qu'ils s'en sortent. Mais il y a des gens, parce qu'il a là son kaolo, son bordeaux. Est-ce que le bordeaux, c'est l'argent? Le bordeaux, c'est un papier. Est-ce qu'on mange le papier? Tu as le bordeaux, mais la maison de tes parents, c'est en carabote au Cameroun. Mais si tu as moyen d'amener ton petit frère dehors, amène ton petit frère dehors. Je connais des amis qui ont amené les petits frères dehors. C'est le petit frère là qui a tout fait. C'est-à-dire quoi? Il a conçu la maison familiale, il a conçu sa propre maison, il a conçu pour son grand frère. Je vous jure. Je vous jure, il a conçu la maison familiale, il a conçu sa part, il a conçu la maison de son grand frère aussi. Un petit frère, le petit frère d'un ami. Et quand le petit est arrivé dehors, il était trop nonchalant. On a failli sous-estimer le petit là. Le petit là, il a épousé une femme bien. Mon ami, vous savez, non, dis donc. Il a épousé une femme blanche, ils font les enfants, ils ont 4 enfants. Donc sa vie est bien comme sur les roulettes. Sa vie est bien comme sur la neige. Sa vie est bien comme sur la neige. Donc faisons beaucoup attention. Il y a les gens qui ont les réseaux, ils camouflent à sa famille, ils camouflent à ses cousins, ils camouflent à ses neveux, ils camouflent à ses cousins. Si tu as le réseau, toi, la soeur, si là, tu mesures, c'est 1m50. Tu as une soeur dans ta famille, tu as une nièce dans ta famille, tu as les amis qui cherchent les femmes qui sont élancées. Ma chère, si tu as un réseau, mets ta soeur à l'intérieur du réseau là, parce que ton ami veut une femme qui est élancée. Pourquoi amener ta soeur de sang alors que tu sais bien qu'elle est courte? Ça ne doit pas durer. Ton ami demande une fille qui est lancée, qui a 1m80. Mais toi, comme c'est ta cousine, comme c'est ta nièce, tu la laisses pour aller amener ta soeur qui a 1m40, qui a 1m50. Le mariage n'a pas duré. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il t'a demandé une femme, une fille qui a 1m80. Et tu as bien ça. Mais comme c'est ta cousine, tu refuses. Dans la vie de nos jours, la réussite là, ton bonheur peut arriver n'importe où. Ton bonheur là peut sortir n'importe où. Le bonheur de chacun peut sortir n'importe où. Derrière ton cousin, derrière ton ami, derrière. Pourvu que ce qu'on te demande là, c'est ça que tu amènes. Tu vas voir, tu as une amie blanche. Elle te dit qu'elle veut un gars qui est costaud. Cool. Mais toi, tu peux l'amener un gars qui est lancé. Mince. Mais attendez, ce n'est pas le choix qu'on t'a demandé là-bas. Ce n'est pas le choix qu'on t'a demandé. Donc, dans la vie, beaucoup de nous, là, nous sommes coupables nous-mêmes souvent de nos propres turpitudes. C'est souvent à nous-mêmes qu'on doit en vouloir. Mais oui, c'est clair. On te demande une habille rouge, tu peux amener une habille vert. Attendez, même chez les sorciers, là, les gens meurent parce qu'ils refusent des conditions. Même le sorcier est loyal, hein, même le sorcier a ses amis. Et l'ami du sorcier, c'est celui-là que quand le sorcier dit que va à gauche, il part à gauche. Va à droite, il part à droite. Oui. Pas comme l'autre qui est là, il est en train de parler, il dit qu'il va déballer tout. Mais c'est Eric King. Il dit qu'il va déballer quoi? Eric King dit qu'il va déballer. Tu vas déballer quoi? Nous sommes les enfants de Mungo. Il faut qu'on nous a parlé de ta vie aussi. Hein. Parce que voilà un monsieur comme Eric King. Hein, au lieu de se taire depuis qu'il est sorti de la prison, il est là, il veut faire les bruits. Tu veux faire les bruits comment? Non. Tu te calmes, mon frère. Que de bavarder beaucoup. Va à Vassero. Vassero est calme dans sa tête. En ce moment, tu ne connais même pas ce qu'il va dire. Mais oui, tu ne connais même pas ce qu'il va dire. Il est calme dans son coin. Et tu es là, tu gesticules. Voilà, machin du Mungo. Quand un enfant du Mungo veut se lever, quelque chose arrive toujours. On ne sait pas toujours.
quelque chose arrive, il trébuche. Voilà un gars qu'on savait qu'il pouvait être même un grand dans ce pays. Le voilà qui est en train de vouloir. Hein? La malchance du Mungo. La malchance du Mungo. Et quand on parle de Ndjome Pendjala, c'est aussi Mbanga. Mais on va faire comment? On fait comment? On fait comment? Les hommes hier qui ont failli te tuer. Mon frère, tu retiens mon passeport, je ne vis pas au Cameroun bien. Je vis bien au Cameroun, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je suis au Cameroun, non. C'est mon pays, non, vieux. Il y a besoin de partir. Voilà, tu as vu? Voilà. Mais maintenant, alors, est-ce que tu seras reconnaissante avec ton ami du Liban, là? Voilà. Et maintenant, il faut que tu sois reconnaissante avec ton ami du Liban. Si tu as ton... Maintenant, tu es au Liban à cause d'une amie. C'est ça la vraie vérité. Donc aujourd'hui, cela, l'air de tout ne provient pas de ton frère ou ta soeur. Vous savez, j'ai appris avec le temps dans ma vie que... Le mauvais cœur partout. Hein. Le mauvais cœur que nous on voit, si c'est partout. Même dans les propres familles, même père, même mère, il y a le mauvais cœur. Donc tu as ton frère, ton grand frère, il est jaloux de toi. Il veut ta voiture, il veut ta femme, il veut même tes enfants. Donc même le genre de tes enfants, il veut. Mais il ne fournit pas d'efforts. C'est pour dire quoi? Quand on commence à devenir important dans sa vie, on se méfie aussi. Vous allez voir, certains gens importants sont morts, on ne connaît pas ce qui les a tués. Parce qu'ils ont négligé les morts. Quand on commence à devenir important dans sa vie, on se rend important. N'attends pas que c'est les autres qui disent que tu es déjà important, mon frère. Parce que quoi, il y a les frères ici dehors qui n'attendent que les opportunités pour prendre ta place. Il aime ta femme, il aime tes enfants, il aime ta maison, il aime ta voiture. Alors que si tu lui donnes ça, en 2 ans, ça va chuter parce qu'il ne peut pas entretenir. Donc mes frères, ce n'était pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'était que arrêtons de payer les relations. Voilà. Le colonel à qui tu donnes l'argent là, tu peux faire ton cousin devient colonel aussi. Tu l'envoies à l'école, il a son bac plus 2. Il faut le concours de sous-lieutenant. Voilà. Il peut même finir général. Il peut finir. Tu vous savez, comme j'ai dit, le plus grand péché du monde, c'est l'ignorance. Hein? Le plus grand péché de ce monde, c'est l'ignorance. Quand un homme est ignorant, il est mort en guerre. Et quand tu n'es pas ignorant, tu connais prendre ton temps pour faire bien les choses. Mais oui. Quand tu n'es pas ignorant, tu es patient. Parce que quoi? La patience et l'ignorance et l'éveil. Ça va, c'est deux choses, père. Ça vend, c'est-à-dire les deux choses vont de commun. Vous allez voir un homme, comme il connaît derrière là où il va, il prend son temps. Vous allez vous moquer de lui, oh, c'est en train de durer. Non, il sait qu'il va arriver. Il sait qu'il va arriver. C'est toi qui es en train de courir. Parce que tu es ignorant, tu cours contre qui? Tu vas voir, c'est parce qu'il a couru hier. Il est calme aujourd'hui parce qu'hier lui-même, il a couru. Il n'est pas arrivé. Il est même arrivé, mais avec trop des effets. Aujourd'hui, là, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux sur son corps. Tu ne connais pas. Mais oui. Il y a des gens aujourd'hui, là, qui sont arrivés, mais dans leur corps, ils ont les dégâts collatéraux. Ils sont pleins avec certains séquelles qu'ils ne peuvent pas vous dire. Donc, c'est pour dire quoi? La vie d'aujourd'hui, c'est là. L'ignorant arrive, mais avec les dégâts collatéraux. Mais l'homme intelligent, l'homme sage, l'homme patient est sûr de lui. Il sait qu'il va arriver, mais il va arriver indemne, donc rien. Donc il va arriver comme il était parti là. Il va arriver bien, il va rentrer bien. Mais l'ignorant court, il embrasse n'importe quoi, il embrasse n'importe qui. Oui. C'est un peu comme le chemin de Dieu, non? Le chemin de Dieu, ce n'est pas trop long, hein? Mais il y a quelques turpitudes seulement. Il y a quelques petits dérangements. Il y a quelques inquiétudes. Mais le chemin du Satan est toujours très bien. Ça commence bien. Toujours bien, toujours bien. Mais le jour que au fur et à mesure que tu avances, tu ne vois que l'horizon. Mais tu ne vois jamais la fin. Voilà le chemin du Satan. Le chemin du Satan est toujours. C'est-à-dire que c'est semblant. Tu vois l'horizon comme c'est à côté. Tu ne fais que t'avancer. On t'attire jusqu'à. On prend tout. Après, on te sacrifie. Tu sacrifies ta mère, tu sacrifies tes frères, tu sacrifies tout. Donc, apprenons à être patient. Donc, si on veut que le Cameroun change, commençons déjà à changer. Parce que quoi, nous ne sommes pas souvent au Cameroun. C'est ta soeur, c'est ton frère qui peut voter. Nous ne sommes pas souvent au Cameroun. C'est ta mère, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma tante qui peut voter.
Donc, apprenons que quand nous on rentre au Cameroun, à partir de maintenant, on prend de la peine pour sensibiliser nos propres familles, nos propres enfants à la maison. C'est tout. Et tant qu'on veut dire que non, ha, mes frères vont suivre ce que je fais là, tu mens. Détrompe-toi. Ne crois pas que ton frère pense comme toi. Pendant que tu te bats là, quand même quand tu te bats dehors, c'est un peu comme les répétiteurs. Malgré que tu as ton enfant pas à l'école, tu as le répétiteur à la maison. Il faut toujours pas prendre un instant pour regarder les cahiers de tes enfants. Prends toujours un instant pour regarder les cahiers de tes enfants. Mais oui. Ne sois pas surpris que ce que ton enfant est en train d'apprendre là, c'est le même coup qu'on lui donne. Hein. Il faut toujours être au courant du programme de l'école et le programme du répétiteur à la maison. C'est pour voir si ça concorde. Parce qu'il y a aussi les mauvais répétiteurs. Les hommes sans foi ni loi. Donc c'est pour dire quoi? Donc si on veut le changement, pendant que tu combats dehors là, pendant que tu es dans tes lives, il faut aussi tenir compte de tes enfants qui sont à la maison, de tes frères. Tu peux être en train de bagarrer là-bas. Arrête-toi même là, il y a les tonneaux vides à côté de toi. Hein. Ah oui, il y a les tonneaux vides. Hein. Je vous ai dit non, je suis parti. Moi, je suis parti en Bengale toujours. J'ai vu ma soeur avec l'habit du RDP, c'est sur elle. Ma soeur. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a porté l'habit du RDP, c'est sur elle. Donc, vous voyez un peu. Donc, comme j'ai dit, c'est un combat à longue haleine. Donc, mes frères, allons seulement doucement. Notre pays va changer. Voilà. Même la nature va changer notre pays. Mais pour que ça change, soyons debout. Voilà. Passons des bons messages. Les messages qui éduquent. Voilà. Pas des messages comme les gens, comme les chop-chop. Non, ça ne marche pas. Voilà. On ne peut pas avoir besoin de toi. Tu ne peux pas avoir besoin de moi. Tu ne peux pas seulement avoir besoin d'une femme quand tu veux faire l'amour. Non. On a aussi besoin d'une femme pour l'accompagner. On a aussi besoin d'une femme pour toute la vie. Il faut l'épouser. C'est clair. Tu ne peux pas avoir un chop-chop qui vient dire que non, il ne faut pas se mêler à la politique. Mais pendant qu'on veut voter, là, on a besoin des gens. On a besoin de ces enfants pour aller voter. On les porte dans les charters, dans les camions. On les dispatche dans les villes, par-ci, par-là. Ils partent voter. Maintenant, pendant ce temps, toi, tu dis qu'il ne doit pas se mêler à la politique. Donc, tu peux voter quelqu'un qui te dirige. Et puis, demain, il ne peut pas te rendre compte. Ça veut dire que quoi? Même ton père qui te met au monde, à un moment de la vie, te rend compte. Quand tu deviens d'un majeur. Même ton propre père qui te met au monde, qui a tous les pouvoirs sur toi, qui t'envoie à l'école. Un moment de la vie, il n'a même plus le droit de vendre ses propres biens. Alors que c'est lui qui a tout construit, c'est lui qui a acheté. Donc même ton père, à un moment de la vie, te demande, te rend les comptes. Parce que quoi? Il est ton produit. Vous êtes ses sujets. Donc mes frères, arrêtons de venir au Cameroun payer les relations. C'est pas important. On a trop souffert pour venir payer les relations, comme je disais tantôt, aux magistrats, aux commissaires, aux commandants des brigades. Tu peux dans ta famille toi-même faire des magistrats. Tu peux toi-même dans ta famille faire des procureurs. Tu peux toi-même dans ta famille faire des commandants, des commissaires. Donc c'est clair mes frères. Donc arrêtons ça. Et pendant qu'on bagarre dehors là, n'oublie pas. Parce que quoi, dans la vie, tu peux être en train de... tu peux croire que tu es en train de faire un gros travail dehors. Mais pendant ce temps, tu es en train d'abrutir ta propre famille à la maison. Donc on a dit quoi? Le combat d'aujourd'hui, c'est à la maison et dehors. Voilà. Le combat d'aujourd'hui, c'est à la maison et dehors. Et sache que le plus dur combat, c'est à la maison. Parce que si tu ne peux pas combattre dehors, là, ce n'est pas tes frères, ce n'est pas ta famille. Ceux avec qui tu dors, c'est ta famille. Ils sont plus dangereux. Si on arrive à les corrompre. C'est ça qui est un problème, mes frères. Donc faisons beaucoup attention, mes frères. Le conseil que je voulais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes assez grands, nous sommes loin pour venir au Cameroun blaguer avec notre argent. Arrêtons d'aller se payer les relations. Donc c'est tout. Donc si c'est, passez une bonne journée. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc voilà. Donc comme je disais tantôt, Longuet, il a là son passeport. Il se porte très bien. Il se porte très bien, Longuet. Donc voilà. Donc passez une bonne journée, ciao.